Wow. Oh, punaise. Bonjour. Oh, moi je suis le poupi. La Bessie. Bessie. Oui, oui. C'est bien. C'est bien, mon chien. Préparation du matin. Le chien a repéré qu'il se passait quelque chose. Une randonnée se prépare. On te la fait pas à toi, hein. T'es pas dupe, hein. Bon, aujourd'hui on est parti en retard, hein. Il est 10h parce qu'on a dû laisser Hugo chez Maminou. Donc 10h, regardez à quoi, qu'est-ce que ça attaque. Le pain au chocolat. Dans la voiture en plus. Bah excuse-moi, mais c'est pas comme si la voiture elle était nickel. Ça va propre. Qu'elle est... Ouais, ça va qu'elle est un peu crade. On a quand même un chien qui bave de longue sur les sièges auto. Installation des gourdes. Tu détaches les vélos aujourd'hui? Non. Aujourd'hui on est à la rock. La rock. Comme un rock. La rock. Moi je suis content. Aujourd'hui départ de randonnée. Petite randonnée d'écrassage. On a, comme vous le voyez, on a pris un peu de poids. J'ai pris du poids. On a du taf. Oh les avions là, les hélicoptères, les voitures là. Oh là là. On peut pas travailler. Et allez. Petit départ sur petite route goudronnée. À une vitesse fulgurante. Faut qu'on fasse gaffe. Elle est où, Lucas? Elle laisse là, dans 2 minutes il y a une voiture. On aura un chihuahua. Ouais. Ce qu'on a pour projet de la remplacer en cas d'accident. De prendre un chien de plus petite taille. La nuit, elle pète. Yuka, viens ici. Il est pris d'un berger allemand. Là, sur le côté. C'est bien. Ouais, chasse en cours là-bas. Un 4x4 de chasseur. On a entendu un coup de feu. Nos amis sont là. Bah, il faut partager la forêt. On a l'habitude maintenant, à chaque rando, on croise des chasseurs. On achètera peut-être ce que je te disais, là, les petits coups de vent jaunes, jaunes fluo. Ouais. Les gilets jaunes. Oh, on a vu, il a vraiment le sandwich de pistonnier sur la voiture. Ouais. Ça, c'est un bruit. En tout cas, il fait incroyablement bon pour un mois de janvier. On a presque chaud. Commence déjà. C'est bouillasse. C'est bouillasse. Bonjour. Il était pas bien sur sa petite chaise là. Il était gentil, il nous a dit bonjour. Au soleil. En attendant la bécasse et le sanglier. C'est un chasseur gentil, nous a dit bonjour parce que juste avant, j'étais en train de dire que peut-être qu'il allait nous tirer dessus. Après, il s'est mis dans un petit coin au soleil, il était bien. Parce qu'à l'ombre, il fait pas chaud. Ah, les chiens de chasse. Oh, ça, à tout moment, je peux tomber dans la boue. Pas de chute. En tout cas, c'est très sympa pour l'instant. J'aime beaucoup. Il est superbe ce petit single. Hop là. Bonjour. Bonjour, allez. Allez, Yuka, avance. Et je pense qu'on va aller voir à Decat s'il y a des petits coupe-vent jaunes fluo. Avec écrit dessus, ne tirez pas. Please. Allez, on va faire le petit café pour SVD. Oups. T'entends au loin là, plein de chiens qui aboient, t'entends? T'as dit quoi? On dirait une horde de zombies. Une horde de zombies, ils vont tous sortir de là, c'est Walking Dead, on va se faire attaquer. Ah si, oui, t'as... Eh, bah oui, marche sur la serviette. Tranquille. Ça c'est beau ça, regardez. Je sais pas si on va le voir. Le petit café fumant.
C'est un petit plaisir simple de randonnée, mais c'est tellement agréable. J'avoue que je l'ai fait un peu brûlant, du coup. Il est brûlant. Je pense, fais attention. Et tous les soirs, faut savoir. Allez, je coupe. Qui boit sa tisane. Qui boit sa tisane de vieille personne. Et qui fait ça. Dans le lit. Et oui. Alors, je ne suis pas anti-bruit, moi, ça me dérange tisane pas. Tisane au citron, nuit paisible. Ou nuit tranquille. C'est vrai que c'est une habitude de vieille personne, mais... Bah écoute, j'aime beaucoup. Petit chemin technique. Je parle aux abonnés. Je dis petit chemin technique qui épuise un peu du coup. Mais c'est joli. C'est plus sympa des petits chemins comme ça où à tout moment on croise un sanglier, paf, boum. Ça doit sentir bon, mais en fait je sens rien. Oh, punaise. D'un seul coup, tac. Oh, coucou. Ah, d'un seul coup sans prévenir. Petite descente technique. Ouh, ouh. Ah, oh, j'ai fait mourir. Allez, grosse montée. Oh, punaise, oh, c'est mort. Ah, un con. Et voilà. Petite chute sans conséquence. Ah, je m'y attendais pas, là, à la descente et à la montée. J'étais pas prête. Oh, ça fait peur, en plus je suis toute seule, il m'a laissé. Je reste en cours. On surveille tout neuf de panneaux. Ensemble, soyons vigilants. Tous ensemble, ouais. Alors pour ceux qui font pas de vélo, on appelle les singles, c'est des petits sentiers où en fait on peut être seul, on peut être qu'une seule personne sur le chemin. Et en VTT, on adore ça les singles. Allez, allez, on flex. Oh, ça m'a cramé les cuisses. Bonjour. Aujourd'hui, c'est marque bleue. On va faire le pique-nique avec eux. On va pique-niquer avec les chasseurs. Wow. Il y a quelques années, lui. Hein. Comment il s'appelle, les rennes du Père Noël? Il y a Tornade. Tornade. On a tellement de la chance d'avoir un temps comme ça. Et ici non plus, on n'a pas le droit d'utiliser un drone. Ah bon? Ouais. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous montrer juste ce que j'étais sur le point de commander. Donc, alors c'est assez trompeur parce que vous voyez sur la plupart des sites, quand vous regardez les drones, il y a marqué ce genre de phrase, moins de 249 grammes. Léger, conforme à la réglementation C0, le drone ne nécessite aucun examen dans la plupart des pays. Donc quand tu connais pas trop, tu te dis « Ah bah c'est bon, avec celui-là, j'ai le droit de tout faire ». Et en creusant un petit peu, heureusement que je l'ai fait, en fait il y a pas mal d'interdictions. Ça, vous voyez par exemple, c'est sur le site de Géoportail, donc vous avez toute la France ici, et les zones en rouge, c'est strictement interdit de voler avec un drone. Et le petit problème, c'est que nous, on habite ici, et notre terrain de jeu, bah, c'est cette zone-là, hein, grosso modo, et vous voyez, c'est tout rouge, c'est complètement rouge. Donc, interdiction de voler avec un drone dans cette zone-là. On a le droit ici, dans ce tout petit bout vert, on a un peu le droit ici. Là, je crois que c'est réglementé une certaine hauteur, c'est combien? 50 mètres. Mais en gros, voilà, toute cette zone-là, c'est interdit. Donc, je suis un peu triste. Après, peut-être qu'on commandera un drone quand même dans X temps pour essayer dans ces zones-là, qui sont un peu plus... où t'as le droit, mais bon. Après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui... Quand tu tapes, par exemple, ça, c'est la presqu'île de Gien, il y a des gens qui ont fait voler des drones ici, mais...
Apparemment, l'amende, elle est assez corsée si tu te fais choper. Et j'ai vu que la gendarmerie, ils ont des systèmes où je crois que dès qu'il y a un drone qui vole, ils ont une alerte, ils le voient. Donc bon, on va peut-être pas s'amuser à ça. Voilà. Et je suis trop déçu parce que j'avais plein d'idées pour filmer avec le drone. C'est tellement beau en plus quand tu vas dans le ciel. Ouais, mais ce qui est beau, c'est du coup, c'est le littoral. Et Ouais, c'est en plus, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait faire du coup des randonnées un peu à pied et du coup servir du drone pour rendre la chose un peu plus intéressante. Interdit. Il m'a dit que c'était fini la montée. Et voilà, regardez. Pour preuve, je pousse encore le vélo. Il y a encore un chasseur. Jean-Paul le chasseur. Ils sont sympas les chasseurs aujourd'hui. Comment je passe là ? Bonjour, 3 heures plus tard. Ouais. 3 heures plus tard, j'y arrive. Ah, je croyais que j'étais un peu mal, un peu. Ah là, je veux redémarrer. Oui, ça va, on a fait le plus dur. Ils sont sympas ces chasseurs aujourd'hui. Bon, la dernière fois aussi. Hein. Il n'y a qu'à une rando. Ouh. Ils n'étaient pas très cool. Pour que tu montres tes progrès. Ouais, mais là, je suis pas bien, alors... Attention, scène d'action coupée. Ah, mais... Les deux marches. Non. Si je me ramasse, c'est tant pis pour toi. Allez, tout doucement. Bon, j'ai trop peur, mais en fait, tu me filmes et tout, du coup, j'ai trop peur. C'est n'importe quoi. Toudoudou. Voilà. Toudoudou. Merci, tu pourras tout couper. Mission échouée. Il est beau ce coin-là. Oui. Il y a des genres de. Contre, ah bon? Tu trouves pas? Non, moi je... Ah, moi j'ai frais. Non, on va voir les ruines. Jeffrey, elle a dit. Jeffrey, amène-nous des glaçons. Donc, est-ce que tu sens la présence de fantômes? Il y a des gens qui ont vécu là il y a très longtemps. Il y a une présence. Il y a une présence. Quel genre de présence? Homme, femme, animal? Mutant? Il y a des âmes. Des âmes? Qui errent. Qui errent. Moi, je pense qu'il y a R, justement. Il y a R. Ah, regarde comme il est beau celui-là, là-bas de rocher. Il est énorme. Il y a quelque chose. Oh, moi, je suis le poupie. C'est là qu'on descend à la source. Ça me parle ici. Ça a de la gueule. Tu vois, avec le drone là, ça aurait été beau. Hein. Le type qui s'en remet toujours pas. Ah ouais, c'est plus lumineux au premier étage. La toiture est à refaire. Ça, on bouffera même la falaise là comme ça. Pas fou. La pizza.
On était en train de dire du bien de nos collègues les chasseurs. C'est pas vrai. Bon, ils ont été gentils. Oui. Ils disaient moyenne d'âge des chasseurs. 65 ans. 65 ? Ouais, ah, je pense. C'est toi qui as dit ça. Au moins, ouais. Et t'as vu, ils avaient des toquis. Oui. Il y en a même un qui avait une oreillette, genre... Tout à fait. Philippe Risoli. C'est ça. Philippe Risoli. Ouais. Bah, je sais pas qui c'est qui a une oreillette comme ça, là. Je sais pas, mais alors... Merci la référence. Notre public connaît Philippe Risoli. Oh bah oui, c'est sûr. Elles sont cuitasses. Mmh. Elles sont cuitasses. Je crois. Les bananas. Tu connais pas? Non. Elles sont cuitasses, les bananas. C'est quoi ça? Bah, c'est une chanson de Philippe Risoli. Genre, il a fait une chanson? Bah oui. Mais il était présentateur télé. Et chanteur. Chanteur. Il faut le savoir. Comme la gaffe, le lavabo, quoi. Ouais, c'est ça. On fait rumeur de là, la source. Source Doris. Moi, ça me fascine toujours l'eau qui sort comme ça d'un coup des rochers. Ça coule bien, là, hein. T'entends? On se fait un peu d'escalade? Bon, du coup, on monte, hein. On voit des flèches qui nous disent de monter. Ça monte par là. Alors, on va la laisser ici, il faudra pas l'oublier. Non, Yuka, attends. Reste en bas. Parti pour monter tout en haut. La curiosité. Ça va être sympa à descendre tout ça. Oui, j'ai l'impression que Yuka m'a suivi. Wow. Ça va être autre chose. Et voilà, pendant la famille, c'est aussi de l'escalade. Moi, j'aime bien l'escalade. Enfin, ce que je disais la dernière fois, c'est que j'ai quand même nettement plus le vertige qu'avant. Ah. Bon, j'ai l'impression que Yuka a réussi à me suivre quand même pas mal. Où est-ce qu'elle est? C'est une chèvre, ce chien. Il est où? J'espère qu'elle est redescendue quand même, parce que regardez, ça monte quand même pas mal. Au final, ça me fait moins peur de descendre que de monter. Bizarrement. Ah, t'es là, poupie. Et ma poupette. Et alors, Yuka, t'as réussi à monter jusque là? Ah, t'es un bon chien. Toi, tu me suivrais, toi. Pas comme ta maîtresse. T'es coincé, Yuka? Bah ouais, comment t'es monté là, toi? Viens là. Là. C'est bien, mon chien. Allez, viens, descends. Ah bah oui, forcément. Allez, descends par là. Oui. Oui. T'es un bon chien. Allez, vas-y.
Alors, où est-ce qu'on a laissé Thalès tout à l'heure? J'ai pas l'impression qu'on soit passé par là. Super. T'es passé par où, toi, Yuka? T'es passé par là? Oui. Allez, Pépette. Allez, Yuka, on descend. C'est bien, mon chien. Là, là. Là. Elle a peur. Là, viens ici. Viens ici. Oui, oui. C'est bien. C'est bien, mon chien. C'est bien. C'est une chèvre. Elle a un peu peur, mais elle descend vachement bien. Voilà, il y aurait une petite parenthèse escalade. J'en connais une qui doit faire la tête. Ouais, je sais. Bah parce que en fait, il y avait des marques rouges pour monter. Et ça montait, ça montait, ça montait. Et au final, je suis allé tout en haut. Bah, tu verras la vidéo, mais c'était magnifique. Hop là. C'est impressionnant ce qu'elle a monté. Je l'ai dit à la caméra, je dis genre, elle va s'inquiéter. Bah oui, mais je me dis, ils sont tombés, ça y est. On va les voir quand même. Au revoir, petit coin pique-nique. De qualité. Joli. Oh, elle esquive les branches. Ah, ah voilà. J'ai fait le malin. J'ai fait le malin, je suis pas passé, moi. Allez, on a une grosse montée qui nous attend là. Histoire de bien digérer. On est suivi. J'ai senti tout à l'heure lui quand il a croisé Yuka qu'il a vu un petit coup de foudre. Il est beau. Regarde. Il est beau. C'est de la famille. Non, non, toi, t'aimes pas trop. Il est trop beau. Ouais, il est beau. Une bonne tête. Je sais pas quoi, il est berger allemand avec quoi, je sais pas. Malinois, non ? Ouais, mais il a vraiment la tête de... Ouais, c'est peut-être ça. Husky berger allemand, ouais, t'as raison. Ça doit être ça. Est-ce qu'il a un petit peu de blanc, du coup ? Oui. Il a les poils... Et il est plus petit en paille. Ouais, ça fait un peu husky berger allemand. Bon, vous n'avez pas mouché parce que sinon vos métros, ça va... Il me reste un peu. On va le montrer. Ça, c'est quoi comme chien, un boxeur? Ça, c'est sérieux, ça attend ses maîtres. Il attend, ouais. Il est marrant. Parce que lui... Il est trop beau. Il vit sa vie, c'est un rebelle. Il a une tête de coquin, de toute façon, le... Oui, oui, oui. Le petit, là. Oh, le caillasse. Oula. Bonjour. 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 J'ai trop fait genre. Ils étaient tous en électrique. Ah. Et ils ont chié. Je suis fière de moi alors. Je sais, ils m'ont regardé avec un petit peu un regard de... Hey, ouais, 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 tu verras la caméra. Hé, hey, Choupi. Oh, il se barre, j'ai une blague. C'est à des gens comme ça qu'on doit dire Vendor Family. Ah non, bon, ils sont en élec. Quand on aura le sticker, on s'arrêtera, on leur collera le sticker sur le vélo. En plus, c'est marrant parce que quand tu es au bord d'un virage, tu tombes sur des vététistes. T'es presque content. Oui. Même eux, ils ont le sourire du coup. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a du respect, comme les motards. Une fraternité. C'est ça. Il n'y a pas de symbole comme les motards. Non, ouais, ouais, ouais. Il faut qu'on en crée un. Il faut qu'on en crée un. Quand on croise des cyclistes. Hey. Horrible. Ou alors on fait le V. Le V de VTT. Ouais, mais alors tu l'as acheté demain. Ah oui, c'est dangereux. Le V de la Vendor Family. C'est ça. Et puis elle va vite aujourd'hui. Elle suit son maître, la pauvre. Yuka, tu peux aller moins vite, je suis derrière. Hein. Poupi, va doucement. Tu as le temps, je suis là. Ah, je vais aller suivre, c'est vrai. C'est son maître. C'est son maître, du coup.
Ma paupière a besoin de récupérer un peu, je pense. Elle te suivait là à la mort, quoi. J'ai l'impression que ton pneu derrière, il est un peu pas à plat, mais on sent qu'il y a plus de poids. Très drôle. Elle est propre. Elle est propre, la voiture. On vous fait des gros bisous. Oui, gros bisous. Et abonne-toi. Abonne-toi si t'es pas abonné. Bon, en même temps, si t'es à la fin de la vidéo, si t'es encore là, normalement t'es abonné, mais bah, au cas où. Pas, hein, pas forcément. Bon, abonne-toi. Allez, gros bisous. Ciao.